Moi, je m'appelle Ikanyali Paulin. Je suis né à Bukavu en 1975. Et aujourd'hui, je suis militaire FARDC. Je suis technicien. Je suis chef d'atelier de la ministérie. Et je travaille à la FAMEKI à Kindu avec les Belges. Ici, je viens de Kinshasa. J'étais à Kinshasa à le séminaire et je rentre à Kindu. Oui, je viens de Kinshasa. J'ai quitté Kinshasa depuis le 5 janvier. Et j'ai fait déjà au moins, j'ai fait 2 semaines Kinshasa jusqu'à Mbandaka. Mbandaka, j'ai fait encore 2 semaines jusqu'à Kisangani. Et ici, je ne sais pas combien de jours on va faire pour quitter Ubundu jusqu'à Kindu. Je suis responsable, père de 6 enfants, 4 filles et 2 garçons. J'étais marié depuis 1995. Moi, je suis toujours à Kindu. Et à Kindu, je suis là depuis 2003. Pas de famille à Kindu. J'ai fait seulement le travail. Ma famille, elle habite à Bukavu. Après 5 ans, je pars pour visiter la famille. Toute la famille sont des catholiques. Il y a les autres, ma sœur, qui sont des protestants. Moi, je suis indépendant. Je ne suis pas de quelques religions parce que je vois que dans la religion, il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de politique. Je ne peux pas. Je suis indépendant. Moi, avec la croyance que si tu es mort, tu serais quelque part, il y a l'autre vie après la mort. Moi, pour moi, je sais que si je suis mort, c'est fini pour moi. Je sais que ici, dans la terre, si je fais mal pour vous, je fais mal pour Dieu. Et je sais que c'est ça. Il faut connaître que ça, c'est mal et ça, c'est bien. Et je limite là-bas, je ne sais pas si après ma mort, je serai quelque part, ça me fait rire.